Les amis, je pense qu'il est enfin temps de faire la vidéo de ce truc-là. Mais avant, je dois faire une toute petite modification. Donc attends, je vais d'abord poser le trépied. On va faire ça. Je peux prendre un petit maté Cosido. Et puis, bien sûr, hein, tu connais la tradition avant de commencer une vidéo, générique. Avant de tout bouger, je vais d'abord te présenter le truc. Comme ça, tu comprendras mieux pourquoi je vais déjà tout déplacer. Enfin, ce qui est cool, c'est les petits plaquets comme ça avec la marque. Ça, j'aime bien. Je sais pas pourquoi j'aime bien ce truc-là. Alors, c'est la marque Newer. C'est des petites marques avec Godox aussi qui fonctionnent bien. Ils font des produits assez quali pour un public semi-pro, je dirais. Tu penses que c'est un truc de ouf, mais tu vas voir, c'est vraiment un truc super simple. Hein. C'est pas un drap, non, c'est juste une toile. C'est juste une toile en fait pour faire des photos. Je vais l'accrocher sur les poutres et je vais faire des photos. Donc je vais déplacer ensuite la lumière. Et comme j'ai pas de modèle aujourd'hui, ça va être moi-même qui va me servir de modèle et je vais me servir de l'application Remote avec le Mac. Tu vas voir aussi, ça peut être pas mal. Ok. Bon, bah c'est parti pour les portraits. L'idée de mon achat, c'était de continuer mon exploration de la photo en achetant du matériel à bas prix pour faire des portraits au studio. Ah, attends, tu te demandes pourquoi en fait j'ai mis deux punaises et pourquoi je l'ai accroché comme ça? Tout simplement parce que je voulais pas mettre des pieds avec des arceaux qui prendraient beaucoup de place dans un tout petit espace. Donc je me suis dit, tu balances deux punaises et tu les accroches au niveau de la poutre. Ça sera beaucoup plus pratique et en plus ça prend moins de place et ça coûte moins cher. Alors c'est clair, c'est pas la solution la plus sexy qui existe, moi ça me convient assez bien, mais si tu as assez de place et que tu peux mettre des trépieds, et bah je t'ai mis les liens en bio. Bon, je crois qu'on est plutôt pas mal, la lumière est en place, le rideau est en place, ça m'a pris, bon à peu près 8 minutes. Il n'y a pas un souci là? Il est un petit peu froissé le rideau, alors je vais pas faire des portraits avec un rideau froissé, donc je vais passer un petit coup de fer avant. Pour réaliser mes portraits, je vais utiliser mon 24-1/4. Ça offre un super arrière-plan, donc même s'il reste encore quelques traces ou des pliures, elles disparaîtront complètement. Donc voilà comment ça va se passer, là tu le vois pas. Regarde, tiens, hop, l'appareil va être branché à l'ordinateur et ça va être l'application Remote Sony qui va me permettre de me connecter et ensuite de pouvoir faire le shooting à distance avec un petit temps de déclenchement, je pense entre 2 et 5 secondes, ça suffira. Avec cette toile, je pourrais bien sûr faire des portraits, mais je pense qu'elle me sera utile aussi si j'ai envie de présenter des produits. Bon, bien sûr, après le shooting, je me suis mis sur l'ordi, j'ai importé les photos, je les ai mis dans Lightroom, et j'ai regardé un petit peu le résultat, j'ai appliqué mes presets perso. Après, la photo c'est quelque chose de très subjectif, donc j'ai appliqué mon style. J'en ai profité pour aller un tout petit peu plus loin que l'editing, je l'ai aussi importé dans Photoshop, où j'ai utilisé l'outil correcteur pour supprimer les défauts de la peau, sans aller trop loin et pour pas perdre le naturel de la photo. J'ai appliqué aussi un filtre gris et j'ai fait ressortir un petit peu plus les yeux. Bon, eh bien voilà, tu viens de découvrir un petit peu une nouvelle façon peut-être de faire des photos. Comme tu vois, il suffit de pas grand chose. Je me suis dit, mais comment ça m'a coûté quoi? 20 balles. 20 balles, ça te donne un décor, ça te permet de faire des choses un peu plus créatives, je dirais. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est de faire des choses créatives. J'ai juste connecté mon appareil photo, et là je te montre avec mon Mac. Et ce qui est génial, c'est que ça fait une espèce d'inception. Tu te vois à l'intérieur, qui se voit à l'intérieur et qui se voit encore à l'intérieur. C'est génial ce truc. Je sais que si j'avais eu un modèle aujourd'hui, j'aurais pu faire plein de trucs, mais tu vois, c'était qu'un petit test pour moi. C'était vraiment de découvrir un petit peu aussi l'application Sony, de découvrir, redécouvrir les portraits, parce que j'avais fait des photos de portraits il y a quelques années de ça, des autoportraits et de personnes aussi, mais là, je le fais dans des conditions un peu différentes, tu vois. Là, il y a maintenant une lumière, il y a le matériel, la caméra, l'ordinateur, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de possibilités aujourd'hui et j'ai envie de découvrir ces choses-là en photo, j'ai envie d'aller plus loin. Et ce qui est bien, c'est que ça montre aussi que dans la photo, bah, il n'y a pas qu'un type de photo. Tu peux faire du paysage, tu peux faire du portrait, tu peux faire du street, tu peux faire du foot, tu peux faire
tout ce que tu veux en fait. Et la plus grosse difficulté, ça a été de bien tendre au final la toile parce que elle était un petit peu froissée. Pour cette vidéo, j'ai utilisé le 24-1/4 et ça détache très bien de l'arrière-plan et des petits détails comme les pliures ou les froissures dessus, ça s'enlève très bien s'il y a besoin sur Lightroom ou encore sur Photoshop. Puis si t'as besoin des tarifs, de tout ça, j'ai mis les liens aussi en bio pour la Godox, pour la lumière. Moi j'en suis super content pour le prix, elle m'a coûté 160€. J'ai préféré prendre cette lumière plutôt que la Puture, la 120D, parce qu'il faut compter 1000€. Et là ça me va très bien pour la petite pièce dans laquelle je suis là, dans mon petit studio, moi ça me va très bien. J'arrête pas de regarder à gauche parce que le Mac est là et je me vois, je me dis putain la qualité elle est trop bien. Merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Moi c'est Mika et je vous emmène. Allez, ciao.